Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui, jeudi, les 27 juillet. Nous commençons avec une grande titre, pareil l'habitude. Le gouvernement peut continuer avec son plan pour implémenter taxe l'environnement qui touriste pour besoin payer à partir du 1er août pour une action légale contre l'établissement touristique qui refusait collecter sa taxe. Le ministère de la Santé présente son rapport performance annuel l'année 2022 avec bon aux officiers inclus bon docteur. Un symposium, le Constitution CCL, il y a l'autre activité que l'Assemblée nationale fait bon matin dans le cadre d'une activité pour marquer son 30e anniversaire et aussi 30 ans Constitution CCL. Nous passons au bon détail. Le gouvernement a décidé pour continuer avec l'implémentation de sa taxe l'environnement qui touriste pour besoin payer pour 5 ans 8 qu'ils ont fait dans l'établissement touristique à partir des premiers mois prochains. Ça et même si non ont certains conseils sorti coup de bon à l'établissement touristique, la façon qui sa taxe peut gagner implémenter surtout côté concerne collection sa taxe. Ministre responsable pour finances Nadia Hassan, il décrit sa taxe comme un qui est très important pour le pays et il dit qu'il prend une action légale contre un établissement qui refusait collecter sa taxe. Suivant en compte que le ministère pour finances, planification nationale et commerce qui fait lundi avec ben différents établissements touristiques, le gouvernement a décidé pour continuer avec son plan pour implémenter sa taxe environnement à partir du 1er août. Ça veut dire qu'à partir du mardi prochain, bon l'établissement touristique pour responsable pour collecter sa taxe qui pour baser le sac l'an nuit qu'un touriste fait dans l'établissement. Ça et même si tu en as beaucoup concerné que tu montes le sassisé pendant sa rencontre lundi, quand bon l'établissement touristique tu décides qu'ils ont pas pour collecter ça l'argent. Un taxe en levée, il est implémenté dans un cadre légal. Ça veut dire qu'il peut dans la loi pays. Et ce qui nous peut dire qu'aujourd'hui nous arrivons en stase. C'est le code. Nous pouvons décider qui la loi nous suivre, soit qui la loi nous pas suivre. So, ça qui pas suivre la loi, par n'importe qui la loi, il y en a une enforcement majeure qui a besoin de répondre. So, moi, pour accepter un commentaire comme ça, code, nous discuter, quand même, nous avons certains désagréments. Et la loi, c'est la loi que nous besoin suivre. N'a pas aucun changement qui a fait avec la façon qui sa taxe pour masser, ça veut dire qu'il basé le grandeur un établissement que sa taxe pour différent. Pour bon petit établissement 1 à 24 de la somme, sa taxe pour coûte 25 roupies par la nuit. Pour bon établissement 25 à 50 de la somme, il pour 75 roupies par la nuit. Et pour bon plus grand établissement et kiot, sa taxe pour coûte 100 roupies par la nuit. Total sa taxe pour gagner mettre le bill qui sa l'établissement pour donner sa touriste à la fin son séjour de sa l'établissement. Il prend en li son room rate, sa, il, sa coût qui sa l'hôtel et sa asli. Pour bon qui tombe pas là au VAT threshold. Il prend un VAT, 15% VAT, et il prend un salaire. OK? So, au bill pendant 3 éléments là. Pour un petit établissement qui tombe en bas VAT threshold, ça veut dire que le client ne peut pas payer VAT. Je prends juste de l'année, c'est un room rate et un levy. Et salaire, il est collecté par l'établissement. Après, il gagne remit avec SAC. Beaucoup causé, c'est à cause de servir SEBS, Border Control System, position gouvernement. Là, nous discutons avec la compagnie qui fait ça. Et là, nous avons un coût qui est coté, il est haut. À cause de ça, nous avons un pays à la compagnie. Pour un masse en bien avec le gouvernement, nous sommes capables de faire une quantité de projets pour bénéficier de ces lois avec. Ministre Hassan a décrit l'implémentation de sa taxe comme un qui vraiment important, vu que sa taxe pour aider avec le coût du gouvernement pour besoin dépenser pour implémenter cet imposé qui concerne l'adaptation au changement climat. Vu que d'après une étude que le gouvernement a fait, pour sa prochaine 10 ans, c'est celle pour besoin de 600 millions de dollars pour faire sa bonne telle projet. Posez la question, est-ce que nous pouvons taxer ces lois pour faire sa bonne projet? Ou soit nous dire tout ce qui vient de ces contribuer something pour aider nous faire sa bonne pause. Mon quoi, majorité, c'est le droit pour d'accord avec mon petit, mais responsabilité, nous tous, nous contribuer toutes les taxes qui nous payent, mais nous demandons à tous, si vous venez de aussi, contribuer à quelque chose pour faire sa bonne pause.
Zis pour faire appel, sa taxe qui a été introduite pour la première fois l'année passée et qui est supposée gagner implémentée en avril. Mais après consultation avec différents acteurs dans l'industrie du tourisme, le gouvernement a boosté date l'implémentation de sa taxe pour le 1er août. Et ça, c'est une taxe à l'environnement qui est touriste pour besoin de payer. Et pour inciser dans News Extra qui pour passer à l'Nevelo SBCD. Plusieurs la boutique à travers pays, ils commencent à bonne bannière publicitaire ou l'alcool devant ce bâtiment. L'association bonne boutique dit que ça forme partie d'une campagne qui a lancé côté envie et aussi contribuer pour promouvoir plus bonne responsabilité en ce qui concerne consommation d'alcool de pays. La boutique Vimal Bilom est l'exemple magasin qui n'a pas aucune publicité de l'alcool qui a mis le bâtiment sa business. De son place, il y a une plaque publicité de limonade, de l'eau et de la viande. Ça est comparé avec les autres la boutique qui a publicité le plusieurs produits l'alcool qui fait localement et qui est aussi sorti à l'étranger. Pour un côté de monde, vous avez une telle publicité qui encourage les gens pour consommer plus l'alcool. Et ça a été fait sortir de bon meeting public de bon district à l'attention du président Rom Kalawan. Face contre sa bonne critique, l'association Bonne Boutique a fait une campagne pour croiser son environ 400 membres pour devenir plus responsable et pour contribuer vers une société qui plie en bonne santé. Retailers Association prend son au sérieux. Et nous discutons entre nous, bonnes membres. Nous faisons un meeting, nous d'accord que nous, les membres Retailers Association, nous pouvons faire nos bouts et nous pouvons tirer sa bonne publicité dehors de la boutique pour nous montrer, pour dire nous aussi, nous sommes vraiment concernés avec ce problème. Qui veut dire que la maçonnerie a dit avec ça? Il y en a qui disent non, ben, comme si ils n'ont pas forcé faire ça? Actuellement, la plupart nous bonnement une point positive à cause nous accepter qu'il y en a un problème l'alcool de Cécile et alors de n'importe qui petit façon qui retailers est capable retailers association est capable nous les montrer pour dire nous envie faire ça pas plus devant pour nous at least montrer du monde pour dire nous capable faire. Le petit maçon, c'est un poste. Je comprends pas. Il prend un petit peu de temps pour faire un poste à cause la plupart. Dans la boutique, comme là, c'est un poste qui montre l'alcool. Il a encore toujours existé. Là, on peut tirer, on peut avoir un miracle, une vilaine à cause d'un design, il y a une peine, il y a des coquets, etc. Alors, il peut prendre le temps pour refaire une autre qualité de publicité, un autre board, l'avertissement, pour remplacer. Alors, parfois, il peut avoir 3 mois, 4 mois, et sa bonne board, il sait, il vraiment sait. So, il peut prendre le temps pour nous capables de faire ti sa bonne, quitte les vilaines, ou bien il y en a qui pas tiré, mais il espère sa nouveau publicité qui peut venir pour les capables remplacer. C'est pour sa raison qu'on voit, il y en a beaucoup qui, still, autres encore, on a sa bonne même publicité de yo. Ministère de la Santé, ils nous ont avec tout bon responsable dans la santé pour présenter rapport performance annuel pour l'année 2022. Conditions de la santé, sécurité de la santé, ressources humaines, financières, et parmi bon différents points qui en ont dans ce rapport. Et bon dimon qui est là, ils ont un sens de discuter et comparer les résultats l'année avant avec l'année 2022. D'après rapport performance annuel pour l'année 2022, il montrait qu'il y a une réduction de la quantité de naissances comparée avec l'année 2021. L'année 2021, il y en a 1665 naissances et pour l'année 2022, il y en a 1569 qui inclut 18 zimo, 10 000. Qui fait que l'année 2021, il y en a 96 naissances plus que l'année 2022. Dans sa cifre l'année 2022, il y en a plus garçons qui naissent qui filles. Le côté l'an mort, il en a plus l'an mort l'année 2022 comparé avec en 2021, sorti 925 pour arriver 929. Jusqu'à l'an mort en plus. Et 58% l'an mort, il ben zomme. C'était Dr. Sanjeev Pugazandi, un analyste principal pour policier au ministère de la Santé.
qui t'y présente sa bonne information de sa rapport avec bon aux officiers et docteurs du ministère de la Santé pendant la journée aujourd'hui. Là, nous guettons un peu plus dans la cause de sa bonne mort, nous voyons que la maladie cardiovasculaire est encore la cause principale. Mais il y a encore la COVID, 97 dimanche mort avec COVID. Et il y a un cancer qui nous augmente l'année passée comparé à l'année avant. Et quelque chose qui nous noie avec ça, c'est qu'il y a plus dans les hommes qui savent que la mort cancer est montée 2022 comparé à 2021. Il y a aussi une augmentation dans la mort à cause d'accident, l'océan, et aussi un suicide et homicide. Nous voyons ça, mais seulement si nous avons adressé la cause de l'accident, il n'est pas vraiment tombé en bas le ministère de la Santé. Nous avons besoin d'expliquer ça avec les autres secteurs aussi. Nous avons besoin des autres demain pour expliquer ce qui nous peut voir. Tout de même, il dit que sa bonne information existe pour le secteur de la santé publique et non pas ce qui peut passer dans le secteur privé. Il nous aussi fait ressortir les défis que le ministère de la Santé a rencontré. Une limitation de ce rapport seulement, c'est que nous n'avons pas l'information en termes qui peut arriver dans le secteur privé. Et nos courants qui 2022, il y en a plus cliniques et pharmacies dans le secteur privé que dans le secteur gouvernement. Mais c'est moi nous pas vraiment compte qui bonne pattern maladie qui sont payés, combien de patients sont payés, quelque chose comme ça. Et nous aussi nous pas nous avons un gaz un peu plus bien pour qu'ils nous capables on a un oversight qui mandat ministère de la santé pour qu'ils nous capables qu'on ait qui peut arriver. En termes un certain défi dans le système, c'est pendant COVID, spécialement 2020-2021. Il y a un bon service qui nous a besoin d'arrêter pour nous booster staff pour faire l'ouvrage qui concerne avec COVID. Nous avons qui l'appliquent pas bon service, ils commencent à récupérer dans un sens où ils presque même quand j'étais du monde qui peut venir pour utiliser d'autres services par une fois avant 2020. Il y en a certains qui ont encore un peu bas. Nous avons qui par exemple quand j'étais du monde qui peut venir CDCU par exemple, ils pas tournent par étiqueté avant. Pandémie et certaines spécialités aussi nous ont qui quand j'étais patient qui peut gagner beaucoup moins qu'avant COVID. So, ça est capable d'indiquer qui peut être parce que quand j'étais du monde qui peut accéder à sa bonne service. Home visit est augmenté mon pays, mais ce n'est pas qu'on arrive à ce niveau. Quand nous avons avant 2019 qui veut dire que certains du monde qui n'est pas capable de venir, tout même dans la clinique pour un docteur ou bien pour avoir un service qui est donné. Docteur Sandiv, il cause le travail que le ministère peut faire pour améliorer ce service. Nous lançons nos plans stratégiques pour le secteur entier l'année passée. Il y a un plan 5 ans. Nous encore dans la première année d'implémentation. Et là, nous pouvons avoir des performances, nous pouvons comparer avec les priorités, les principes, les targets qui nous mettent dans l'école dans le plan. Et il y en a certains quelque chose qui ont commencé. Par exemple, nous commençons nos travail pour améliorer la qualité de service dans le système. Nous avons un comité qui a fondé en 2022 et nous faisons capacity building pour les autres. Et nous avons fini comment travailler le 3 pour les autres. Et nous pouvons monitorer bien près et nous pouvons commencer à développer nos stratégies pour guider l'amélioration de la qualité de service dans le système de la santé. Membre public pour capable gagner accès avec sa rapport semaine prochaine, le website ministère de la Santé. Pensée positive, on a une façon de manger qui est en bonne santé et fait plus l'exercice. Il y a trois facteurs qui sont capables d'empêcher du monde gagner certaines maladies, telles que le diabète avec un problème liquide. Ça a une sortie dans une causerie que l'association Diabète Cécile a organisée, quand on invite un cardiologue renommé sorti l'Aisne. Sa causerie fait partie de plusieurs activités organisées par l'association pour commémorer le 9e anniversaire de la mort qui est dépilé, ou bien dis-nous, qui aussi inclut la classe yoga. Lot of changes occurring in the brain, neurotransmitters, and the happy hormones. They'll be pumped like anything enormously and keep you very healthy, young, even at the age of 100.
C'est Dr. Chuck Cunningham, un cardiologue renommé, sorti chez Schneiderlin, qui t'y fait sa causerie avec mon public, l'autopique léquet et diabète. Sa spécialiste y habitué fait bon telle causerie dans plusieurs pays à travers le monde. C'est l'association Diabète ici, c'est celle qui t'invite lui ici pour lui capable d'expliquer mon public qui façon pour lutter contre sa maladie de façon positive. Nous connaissons non-communicable diseases, pareil, non, diabète, tension, l'obésité. Tout ça là, il marche ensemble. Et d'autres ont un problème, d'autres causent problème, le cœur, qui, je m'en ai gagné car elle attaque le cœur. Nous invitons ça, docteur là, pour sa location. Docteur Chuck Cunningham peut faire sa l'ouvrage cardiologue depuis sa dernière 55 ans. Mais première fois qu'il visite Cécile. Un point important qui timide en face de la part de son causerie, c'était qu'il façon un Jimoni capable de vivre bien longtemps et en bonne santé, s'il adopte trois méthodes. Et ça, c'est une pensée positive, consomme ça qui est meilleur pour la santé et fait assez l'exercice. Make the trees as three mandras, be positive in thinking, be healthy in eating, be adequate in exercising. If we are going to hold the trees, we will be free from all diseases because the trees, the positive hormone, and thereby it removes all the diseases. It prevents disease, or if you get it already, it will reverse it to normal. Et l'autre quelque chose qui met l'emphase là, c'est qu'il fasse une maladie qui est capable de tuer du monde, il est capable de prévenir si un du monde adopte une attitude, pensée et façon vivre positive. Wherever I go, my aim is to communicate the message how we can make the society healthy and there be disease-free state. The three killer diseases are one is heart attack, cancer and accident. All the three, if a mind applies, it can be prevented 100%. That is what I want to communicate to the society. Not only all diseases starting from your mindset only. The moment if your mindset is negative, for example, anxious, worried, tensed up, the cortisol, adrenal hormone secreted more. That is a culprit hormone for all diseases in waiting. They'll add more weight. They'll become sedentary. It make them tempted to smoke. And thereby they become diabetic, increase in cholesterol, increase in pressure. So one negative thought and negative cycle, it invades all diseases in cycle. So if you want to be disease-free state, the emotion and negative one must be make as is a positive one. What do you mean by positive? Be happy all the time. Ti yon an, en quarantaine ti moun ki ti la pou suiv sa causerie, sa yo si inclusif exécutif la zan soin la santé, Dr. Daniel Orange. Deuxième activité, y en la classe yoga ki mam public incapable participe la dan gratuitement. Ça y fait par Disciples of Sri Vidyatiri Maharishi et l'organisation qui lui aussi est vraiment populaire dans l'Inde. Un yoga qui est vraiment un peu unique, qui est vraiment y bon pour la santé. Moi, je peux causer avec un des amis qui je peux faire. Je peux faire un yoga, je peux faire un bon peu dans l'Inde. Je dis que je peux vraiment trouver l'effet dans le corps. Pour les autres vivre en bonne santé. Yoga session, si y aller, est-ce qu'on Zedji, si on a aucune demande, nous pouvons extendre pour vendredi aussi. Ok? So, dans la session, nous parlons, nous faisons un advert là, nous avons des sessions, bon matin, avec à soir, bon matin, 6h quand on est vert, à soir, nous avons 5h quand 8h. Membre public qui est intéressé pour venir participer et enregistrer dans la classe yoga ou bien qui a envie encore plus l'information, est capable de contacter l'association Diabète Cécile, le numéro de téléphone 4DD4737. 17 anciens étudiants à l'Université Cécile qui ont complété d'autres cours en décembre l'année passée et en janvier salonnais, ils ont recevoir d'autres certificats
pendant une cérémonie à l'université après-midi. Saïban, étudiant qui fait diplôme dans journaliste et aussi les titres Master Commonwealth de l'administration et business et aussi de l'administration publique. Saïban, ancien étudiant UNICE pour graduate pendant la cérémonie graduation annuelle à l'institution en décembre. Salonnais. Sa participe pour suivre sa diplôme de journalisme le base part-time pendant sa dernière 3 ans. Il sorti dans différentes organisations médias de pays et aussi dans officiers communication, l'information et relations publiques de les autres organisations. Sa course est tombée à la faculté là et développement social UNICE. Marie Mélaru, qui est officier l'information et communication au Conseil national de la jeunesse, SNYC, sa dernière 4 ans, et parmi sa première groupe étudiant qui suit sa formation. Par exemple, au côté langage, mon patient dit mon langage parce que mon école multiplie tout, quand en maths, science, ben, si c'est comme ça, et mon va en développement, et bon, et quantité là, le sa niveau. Aussi, pour report, le bonne nouvelle, la façon que nous faisons couvrir bonne nouvelle. Qui en a dans nos organisations, même comme un journaliste qui peut travailler avec un media house, ce nous gagne tout ça bonne compétence et vu qui comment les officiers d'information, communication, nous qui fait relations publiques, etc. qui communique avec médias, ce m'ont plus comprend qu'ils ont besoin, quoi qu'ils ont besoin de nous autres, qui moyen nous pouvons anticiper bonne l'information, bonne nouvelle qui en a. La majorité bonne participants bonne travailler SBC et bonne partenaire clé dans l'établissement sa nouveau course. Des parmi autres qui originalement passe travail à SBC, il bénéficie avec la bourse que SBC a financée. C'est important pour célébrer un achievement. La première fois, nous avons sa cohorte, sa journalisme, diplôme de journalisme. Il y a un travail qui nous connaît, vraiment difficile pour get off the ground. Mais nous sommes partis pour nous, nous sommes prêts à arriver là. Ça, dès qu'il gagne un scholarship, il travaille pour SBC. So, dans lui-même, il montre qu'il est through the course, nous pouvons gagner bonne génération, nouveau génération de journalisme, qui est très important pour nous, la continuité des médias du pays. Nous publions nos scholarships pour sa deuxième batch, la deuxième cohorte pour diplôme dans le journalisme, et nous pouvons inviter Benzen pour apply. Ça veut dire que son fiti, c'est qui nous respecte, qui nous quotidiennement, puis éduque un journaliste de un niveau académique. Qui continuellement dans le pays nous hausse standard journalisme média. Et mon content pour voir les autres media house qui involvent avec sa bonne pose, qui ont envie de faire que les journalistes gagnent son qualification, son recognition, qui méritent dans le développement de nos pays et dans tout son aspect socio-économique, culturel de nos pays. C'est les autres étudiants aussi suivent des nouveaux courses côté UNICE, qui soit un Master's Executive Commonwealth dans l'administration business, SEMBA, ou bien Master's Executive Commonwealth dans l'administration publique, SEMPA. Ça aussi pendant 3 ans. Ça décourse, il y a la faculté business et développement soutenable. Kelvin Fréminos, officier formation, côté de la Côte-Cécile, qui parmi les bonnes participants, Eline fait SEMBA. Mon plan pour mon faire un degré avant mais seulement à l'université tu peux prendre depuis diplôme so mon dit why not al direct masters et ça même mon apply pour masters mon gars accepté parce que même lui c'est un peu challenging besoin faire bon sacrifice comment être un militaire qu'une bonne personne là bas mon comment mon quoi ça est pour être moins puis si tout ça bout pour planer un peu plus bien Louvoise et aussi meilleur pour supporter l'organisation. Et première fois que UNICE fait sa cérémonie présentation certificat avant cérémonie graduation. L'Université Cécile a décidé que tout bon cohort, bon groupe étudiant de l'université qui finit notre programme par décembre de l'année, présent notre papier ça se graduate avec sa groupe ça l'année. Je vous espère que vous allez pour vous graduer, parce que nous faisons une graduation tous les décembre, qui nous fait une cérémonie que nous pas de l'année, peut-être pendant une des différentes cérémonies, dépend de quel groupe il termine, pour donner notre certificat avec notre transcript, qui est notre résultat. Et la raison là, c'est que maintenant, nous avons notre travail. Parfois, quand nous finissons notre programme, ça a besoin de sa transcript comme l'évidence
qu'ils ont complété sa course. Otherwise, j'espère qu'elle en est entière pour gagner ça. Il y en a son procédure administratif qui vient avec ça. Pour bon ancien étudiant sans diplôme journalisme, ça c'est l'occasion pour dire au revoir professeur associé pour sa course, Dr. Olga Klimenko, qui fait beaucoup pour mettre sa course en masse et qui à présent peut quitter l'UNICE pour explorer une nouvelle opportunité. Nos constitutions pour servir plus bien en démocratie moderne. Il thème un symposium qui nous fait écouter parler de justice et du port aujourd'hui. C'est l'Assemblée nationale qui organise sa symposium de cadre d'activité pour commémorer son 30e anniversaire qui est ce week-end et aussi 30 ans Constitution CCL qui est les 18 ans. Dans son présentation pour sa l'occasion, speaker l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, il décrit l'Assemblée nationale comme un gardien de constitution. Sa rencontre, tu vois, participation représentant tout bonne branche gouvernement. De sa présentation, contre sa symposium, speaker l'Assemblée nationale, M. Roger Mancienne, se dit que l'Assemblée nationale est gardien de constitution. Il peut adresser l'audience, qui compris plusieurs ministres, disent que les autres représentants judiciaires, membres de l'entité constitutionnelle par les commissions élections et ombudsman, membres de l'Assemblée nationale, travaillent à l'Assemblée et bon étudiant qui ont l'intérêt d'assister la loi et de la constitution pays. En effet, sans l'on est tous les constitutions et l'Assemblée nationale, ils commémorent le 30e anniversaire. Speaker Mancien, il dit que sa symposium est activité principale au niveau national. Ou a besoin de rappeler que la Constitution est écrite dans un moment spécifique. Et peut-être, bien sûr, bon, dis-moi que c'est la Constitution, donc tu peux être plus devant le qui m'y est, il peut servir nos pays. Mais seulement en mesure nous progresser, en mesure nous évoluer, il y a une nécessité pour regretter qui c'est ça qui en a de la Constitution et faire ainsi qui reste toujours relevant. Pour ça qui nous besoin. Speaker, il aussi fait remarquer que tout de même, on a plusieurs bandes sociales et économiques qui paraissent citer des façons catégoriques de nos constitutions. Par exemple, si nous prenons l'exemple right to work, droit au travail, il donne ça droit citoyen. Il dit où on a droit, où il y a droit pour qu'il travaille dans le pays. Mais si on dit qu'on n'a pas gagné travail, est-ce que le gouvernement a besoin d'assurer qu'il gagne un travail? Donc, il n'a pas. En a même la force qui ça les autres droits. Par exemple, right to liberty. Ou pas capable de mettre un monde en prison pour n'en rien, ou bien ou pas capable de mettre l'idée en situation où on peut se faire ça qui il est. Ça, il clair, et la loi, il y en a que c'est la loi qui renforce sa droit. De sa présentation aux judiciaires, Sefziz Ronny Govinden indique qu'il y a une grande similarité au travail de l'Assemblée nationale et les judiciaires. Même si nous séparons, il y a un membre législatif, l'Assemblée nationale, les judiciaires et les judiciaires. Mais c'est en termes rule of law, oversight, exécutif. Nous avons un rôle pareil. Nous écoutons qu'est-ce ici, l'exécutif, il y a un cours. Mais le ministre n'a pas amené un cours devant l'Assemblée. L'Assemblée fait la loi, which is part of the rule of law. Bien, nous pas nous écoutons ça la loi, nous écoutons un question par la loi et nous faisons un prononcement. So, nous avons beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui sont similaires qui amènent nous ensemble. Et là, nous assisons, nous causer, nous discuter, nous cherchons nos bonnes idées, nos bonnes idées fondamentales, combien nous pouvons marcher. Et là, nous croyons enrichir nos pensées et faire nous capables de prendre une meilleure décision. Bon, les autres présentateurs, c'est le ministre Anthony Dejac, qui se représente le gouvernement avec une présentation de l'exécutif. Following recent elections in 2015 and 2020, there has been emphasis on the development and progress of the democratic institutions, leading to added checks and balances in relation to governmental power. We have progressed and achieved a peaceful transition of power from one party that led for 43 years to the former main opposition party in the Third Republic. But now comes the opportunity to reflect anew, and this on my part from the perspective of the executive branch of government. Dirigeant des affaires gouvernement de l'Assemblée nationale, Bernard Georges, chef de justice législative ou bien l'Assemblée nationale. In the 1993 constitutional setting,
the legislature is the second branch of government, sitting between the executive and the judiciary. But despite its position in our constitution, our branch covers the most territory, 41 articles compared to the executive's 10, 25 if you count the president, and the judiciary's 19. This is because there is a lot that the legislature contains. Et dirigeant l'opposition dans l'Assemblée nationale, Sébastien Pilé, qui cause le ban l'institution complémentaire. Our current constitutional order is now in its 30th anniversary, so it's growing up. And in my opinion, it is characterized by what can be best be described as an abiding tension. There is that tension between a political system that can be best described as an expectation of a unipolar system, but it is fighting within a bipolar democracy, faced with a constitutional promise of democratic accountability. And this is underpinned by a strong notion that at its core, that this constitution provides for separation of powers. De deuxième partie, ça symposium, bonheur après-midi, panel qui répond aux questions et adresse conseil bonne membre de l'audience, les autres bonnes différentes présentations. Pendant visite rotation, bonnes officiers de la police de Pralin, assistant commissionnaire de la police, Antoine Denous, qui fait ressortir qu'il y en a transport, qu'il y en a tint, Lola, et n'a pas permis. Il a aussi ajouté que les officiers de la police y en ont tout droit pour arrêter le transport et faire aussi tendre Lola 6 places si vous n'avez pas permis. Un qui est important, c'est que si ça dit que vous n'avez pas une permission, nous pouvons arrêter le transport. D'ailleurs, vous avez montré nous son document. S'il n'a pas, soit il peut son tendre lui-même, ou nous pouvons mettre notre tout là. Ok? Notre tout use, il n'est pas capable de faire papier. Ça veut dire notre tout use qui peut empêcher sa vie à transport. Il n'est pas beaucoup capable de tirer sa papier tant qu'il bâtit sa teinte et emmène l'autre côté de court garde et la police il voit oui, il tire sa teinte et sans autorisation, il va gagner tirer. Pendant la teinte, il y a l'offense. Without any written permission from the commission of police. Il y a l'offense. Et aucun du monde qui voit coupable pour lui en ça, son premier l'offense, il peut redonner un en prison ou 100 000 euros la main. OK, 2000 euros la main. Mais deuxième fois, là il m'a tapé plus haut. OK, là il vient des en prison avec 10000 euros. Ça veut dire nous il y a pas toi qui nous dit du monde. Pas nous qui dit, la loi qui dit. OK. Il y en a même qui ont permission. C'est commissionnaire la police qui donne permission pour l'entente. Si commissionnaire donne son permission, ça c'est son prérogative. Si pas dans nous ou pas mettre. Et la loi est claire. Ça dévite devant ou pas mettre dit-on. Et que nous peut voir il y en a des monde qui peut continuellement mettre. Et là, nous pouvons dire avec tous nos officiers, nous avons besoin d'un air l'ordre. Ok, nous avons besoin d'un air l'ordre. Quand ça m'a dit qu'il n'a pas permission, ou bien une permission ou pas mettre. Ok, mais il faut dire, il est important pour prendre en compte. Si on ne peut pas coopérer, nous avons droit à prendre le transport qui est avec nous. Ok, pour le transport qui est avec nous, on a un maximum 3 jours. Et on peut bien faire le nécessaire. Mais les transports avec nous, en bas de la loi, ce n'est pas nos responsabilités. Et aux responsabilités. Ça veut dire important qu'il y ait des gens qui ont un honneur transport. On ne pas dire drivers, on dit honneur. Les autres besoins faire ici, qui transport, il y en a une permission pour vous mettre. S'il n'y a pas, nous n'avons pas besoin de tirer. Nous n'avons pas besoin de tirer pour personne. Nous. Mais la loi, il dit nous clair qu'il y en a pour faire. Nous sommes tous les et nous n'avons besoin de tirer. Président Wevel Ramkalawan a envoyé un message de condoléance pour Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui est président de l'Émirat Arabe Uni et dirigeant Abu Dhabi, suivant le mot de son frère, Sheikh Zayed bin Zayed Al Nahyan. Le président dit que Sheikh Zayed est un dirigeant qui est gagné respecté et qui peut gagner rappel pour son limité, compassion et générosité. Son dévouement pour le développement de l'Émirat Arabe Uni et son engagement pour promouvoir la coopération de la région pour gagner rappel par tout le monde qui est connu. Le chef d'État Cécélois exprime son condoléance pour Sheikh Mohammed et son famille. Il termine son message en disant qu'il nous connaît, qu'il pète ou frère, il haine, qu'il grand et nous partage ou sa grain. Et c'est là aussi que nous terminons le bulletin pour aujourd'hui soir. Merci pour suivre le bulletin.
Thank you.